Toujours un peu abrupt le mute, faudrait que j'apprenne un peu à gérer ça. Voilà, nous en étions là. Bon, j'espère que tout le monde va bien, je vois que la caméra n'est pas du tout est aux fraises, comme on dit. Ah, j'ai la lumière de Nolan là. Un côté bleu, un côté blanc, un côté jaune. Tout simplement avec une lumière. De type LED LED chaude et l'extérieur parce qu'il fait moche. Incroyable. Stream de haute qualité. Hein. Mais j'arrive plus à me faire à faire ma taille. Je suis trop grand pour cette caméra. Attendez parce que ça devient compliqué. Hein. Mais elle m'en veut ou quoi? Oui. Après, en même temps, c'est tellement tellement fait à l'arrache, là. Bon, c'est pas fini, hein. Le setup, il commence à être bien, mais il est pas fini. Alors, du coup, bonjour, bonjour. J'espère que tout le monde va bien. C'est-à-dire que nous, on était bloqués devant une caverne qui avait des wyvernes à l'intérieur, et du coup, on Oui. dirait des phrases de Orelsan, c'est incroyable. Des petites Une rimes tâche nulles. facile. Pauvre, comment on dit? Je sais plus comment on dit. Voilà, Une donc on va tâche faire comme facile. ça. Oui, Et bien nous, on va sûr. s'enfuir. Voilà, on s'enfuit. On s'enfuit. On va voir si elles vont nous suivre à travers mont et marais. On dit, les vallées. C'est le matin, hein. J'essaye de chercher mes expressions françaises de 1800. Ah mince, on peut pas passer par là. Vite! Ah mais non! Non! Razad! C'est vers le bas qu'il faut aller. Je dois Je être soupçonne que si on touché comme re-rentre je dans ne la le grotte. pensais. Oh Ah non! voilà. Non! Non! Ah, j'ai réussi à le déclencher en même temps. Voilà, Roland de Trouble Son est, de Tour de Brosson est décédé. Voilà, on était là. Ne surtout pas rentrer dans cette grotte. Je pense que voilà. Je pense qu'on est pas mal. On a tenté, hein, mais C'est fait. faut trouver comment s'enfuir. Ah oui, mais après on peut pas. Ah mais c'était par là. Oh là là. Bon, on va se balader du coup. Mais je pense pas que ce soit la mine concurrente du coup, parce que j'ai l'impression qu'on va se faire avoir. Par exemple, si je vais là, est-ce qu'il y a bois? Mais voilà, il y a les mines. Bah c'est par là. Bah voilà, on a trouvé. C'est fini. Attendez, parce que moi je veux juste voir. Il nous restait combien de taille de map ici? Pas grand chose. Ah mais il y a marqué grotte de Weaver. C'est fait. Voilà. Voilà pourquoi Les il fallait ennemis vous lire. attaquent. Mais Détournez-vous. non! Pourquoi on se retrouve face à des Weavers tout le temps? C'est pas rigolo. En plus, on n'a pas dormi. Bon, attendez, 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 attendez. On va faire comme ça. Voilà. Avant la sauvegarde Oui. dodo. Et on va faire dodo. Parce qu'on n'avait pas fait dodo, apparemment. Regardez, non, oui, c'est ça, c'est du Nolan. C'est. Comme les affiches de Oppenheimer? Une tâche facile. Ou. Comment s'appelle Ah. Ou les Batman. Oui, bien Dark Knight, là. sûr. Tu vois, le côté bleu de ce côté-là. Le côté. Tu vois? Tout ça pour montrer son soi-disant apolitisme. Lol. Ah. Bonjour, monsieur l'écureuil. Vous voulez nous conter C'est mon. fait. Maintes choses, j'imagine. N'a rien à vous dire. Ah bon? Et si je te charme, écureuil, est-ce que tu as quelque chose à me dire? Et Allez, viens. maintenant, une tâche Je vous rappelle que facile. la dernière fois, on avait réussi à faire combattre un écureuil avec nous.
à 10 morts de Roland de la Tour Bresson, ça va. Hein. Sur 20 heures de jeu. C'est déjà beaucoup trop. Ah ben non, bon, mais vous n'êtes pas obligé de venir. Garde. On va partir. Ne vous inquiétez pas, on est passé, mais c'était juste pour dire bonjour. Oh là là, vous êtes plein. Non mais on fuit le combat. Je pense qu'on peut fuir le combat dans les Donjons et Dragons. Fuyons le combat. Par contre, l'écureuil, tu peux... Voilà. Tu peux les semer. Voilà, merci. Ah mais... Il y a la barbe d'Ulgoth qui est en destination impossible. C'est genre... Ah mais c'est le passage. On a appris qu'il y avait un passage pour aller là. Mais faut qu'on aille là-haut. Je savais même pas qu'on pouvait traverser l'eau. Pareil, le festival, on s'en fiche en vrai. Mais il faudrait qu'on aille par là pour dormir, donc peut-être qu'on ira. On a fui. Les ennemis vous attaquent. Défendez-vous. J'avais pas envie de me taper contre... Mais ils sont là encore ? Ah oui, parce que oui, c'est vrai. La sauvegarde auto. Attaque écureuil. Your wish. Et un plexus solaire dans sa tête là. Puis-je vous aider? Mais attends, t'as plus de. Ah, il a cassé son. Elle était bien cette arme en plus. On a vendu tout en plus, enfin je sais pas, est-ce que je peux lui donner ça? L'âme de la lune, non. On n'a pas assez d'armes pour pouvoir se permettre ça là. Okay. Alors attends. Tu peux utiliser ça? Là c'est pareil, comment ça se fait que tu n'utilises pas tes flèches? Parce que t'as plus de flèches. On est dans la pauvreté de la flèche. JPP. Bon bah voilà, hein, tout le monde au corps à corps. Hein. Passons aux choses sérieuses maintenant. Un morceau. C'est ça. Mais la France c'est nul pour toi. Pourquoi tu... Vite! Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Et maintenant, on traverse. Ah. Mais je comprends pas, je vous donne un sens, vous allez de l'autre côté. Regardez, Imwen qui va se faire bombe au clat parce qu'elle a décidé de s'arrêter en plein milieu. J'ai si froid. Bon, bah oui, ouais, voilà. On va aller chercher ici hein, parce que je crois que les gens nous en veulent. Alors du coup, si ça se passe comme ça et que t'as plus d'armes, bah prends en fait. Épée longue, voilà. T'as une épée courte, une épée longue, c'est bien ça. Ah non, c'est deux épées longues. Plus rien. Une tâche facile. Tous mes avantages ont disparu là dans cette recherche de. Il nous faudrait absolument des flèches en fait. C'est fait. Bon, on va passer par en haut. Hein. Oui, bien sûr. Ah, les flèches, allez vite. Mais c'est pas possible. On
On est mort tellement vite. Tellement vite. Dodo. Avant. Mais en fait, c'est le genre de moment où tu te dis, ouais, mais faut que je fasse les quêtes annexes. Tu te fais bombe éclate par des wyverns sur le chemin. Plus à l'aise dans la forêt. T'as plus de rien. Bon, on va sauvegarder, hein, parce que... Regardez ici, on va dire. On va l'appeler retour au niveau 1. Parce que c'est plus ou moins ça. Attendez. Azad est indétectable. On va essayer de le repérer. Parce que je voulais essayer ça, Adarve. Voilà. Pendant que t'es loin, tu peux être en furtivité. Mais vu que tu es indétectable, ce qui veut dire que tu peux faire un peu la petite balade. Voir où on peut passer pour les attaquer en scred. Et indétectable, ça veut pas dire que tu vas les... Ah mais... Mais vous m'avez pas repéré avant les loups ? Mais du coup, si on leur dit oui, on est venu pour les wyverns, chose que c'est pas du tout notre quête. Ça se passe comment ? Attendez, on va se mettre en furtivité, voilà. Vu qu'il y a personne qui me regarde, je peux être en furtif. Ah non, je peux même pas être en furtif, même s'il y a personne qui me regarde. Oui, mais je suis indétectable, vous avez dit. Bon bah, suivez-moi. On va préparer l'attaque. On va préparer l'attaque dans les bois. Voilà, ici... Je peux toujours essayer. Le serviteur à vos ordres. Moi, je m'en vais. Oui, bien sûr. On va essayer de faire une technique de... On les ramène quelque part. Ce serait plus sympa si on avait des flèches, mais... On les a pas. Allez, détruisez-le, s'il vous plaît. Vite! Là, vous faites genre. C'est fait. Oh là là, ils sont en train de rater. Oh là là, ils sont en train de rater tous leurs jets, j'en peux plus. Le combat hyper visuel. Ah, quelqu'un est décédé. Tu peux instiller de la peur, hein, Adorn. Ça se passe bien. Une tâche facile. On n'a pas un truc pour pouvoir... Bien vite, là. Merci. Oui, bien sûr. Razed, il prend tous les coups. Prend vraiment tous les coups. Non mais t'es pas obligé de rester. J'ai envie de te dire.
Et il se fait poursuivre à chaque fois. T'es indétectable, garçon! S'il te plaît! Oui, bien sûr. Pépé. On a eu de la chance, il y a eu quelqu'un qui a eu son arme brisée sur le chemin. Bon. Voilà, donc du coup, c'était je ne sais plus qui. De la... Voilà. On est vraiment au niveau 1. Franchement, genre... Je crois pas, quoi. Oui, bien sûr. Il y a les loups encore. Alors, attendez, on va faire dodo, parce qu'il y a les loups. Ah, une nouvelle journée. On va y arriver, on va y arriver, hein, mais faut encore marcher. Ah, donc là, normalement, il y a des loups ici. Apparemment, qui sont allés se coucher. C'est pratique. Ah oui, c'est vrai. Après, il y a les archers qui doivent être là, quelque part. On va avancer en sauvegardant. On est mort vite, tout à l'heure. Ah, on est déjà tout en haut. Ah bah là, les loups, ils sont là. Oh, les loups, ça va, enfin. Passons aux choses sérieuses, maintenant. Attendez, est-ce qu'on peut le charmer discrètement? Voilà. T'es avec nous. Tâche facile. Ah bah, il est déjà détransformé. Ça allait vite. Décharmé. On va en haut, on va où? Eh bah, bonne réunion. Bonne journée aussi. Y'a rien en haut en plus, donc on s'en fiche, nous. Une tâche facile. Les archers, ils étaient où? Bon, on va essayer de passer par là. Hein. Ah, il pleut. Ah non. Sauvegarde, c'est fait. Ah. Mais peut-être. Je sais pas comment on arrête la mini ici. Hein. Il y a une manière d'arrêter et ou de tuer tout le monde, j'imagine, mais on a le choix. Je sais pas comment on fait. Donc, faire comme nous on connaît, c'est-à-dire pour l'instant, en essayant de faire le tour. Voir si c'est pas un accès vers autre part. Salut Nilintu, bon lurk. Attends, hop. Mais attends, mais t'as dit bonjour pour... Ah non, mais ça c'est l'historique de tout le temps. Je savais pas qu'on pouvait faire l'historique de tout le temps. Mais il y a aussi... attendez. Il y a Clem Lelu qui vient d'arriver aussi. Bonjour, bonjour. Je n'avais point vu. Alors attendez, parce que j'ai un problème avec... Comment on arrête de faire la pause là sur Twitch chat? Fatigue. Ah, ça y est. Toutout. Voilà. Oulala, Mortal Kombat 8. Non, Mario Kart. Oh là là, MK, c'est pas Mortal Kombat normalement, Nelly? On n'a pas fait la réunion pour dire que MK, normalement, c'est Mortal Kombat. Bon, en tout cas, bon lurk. Et bonjour Clem Lelu. Je vais essayer d'éviter de trop tracher aujourd'hui. Je cherche à passer dans la mine sans pouvoir me faire détecter, ce qui est apparemment pas faisable. Je n'ai plus de flèches. On a fui la grotte de Wyvern qui était indiquée sur la carte grotte de Wyvern. Incroyable. Donc du coup, on essaie de trouver un moyen
de rentrer dans la mine sans trop tuer des gens, parce qu'il y a quand même pas mal de gardes au final. Je suis désolé, hein, mais je sais que vous entendez cet ASMR clic droit. Veuillez m'excuser, mais déjà vous avez évité le ASMR clavier depuis quelques temps. J'espère que vous appréciez. Voilà, ça s'améliore au fur et à mesure, mais ça se voit pas forcément. Sachant que, bon, oui, c'est vrai que trouver ou acheter une souris, c'est quand même la préférence pour trouver. Acheter une souris, je trouve que c'est vraiment un effort. Hein. Mais je comprends pas, c'est quoi ces bois là? Il y a des endroits où on peut passer, d'autres où on peut pas passer, on va se retrouver encore face à des araignées gratuites. Bon, je sauvegarde parce qu'on a fait un bon tour. Bon, attendez, je regarde la map. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est les... Étalois, oh là là. Mais pourquoi t'as rien, toi, de vie, là? Qu'est-ce qui s'est passé? T'es décédé tout seul dans ton coin? Normalement, les Étalois, tu peux les... Voilà. Normalement, ils prennent cher avec les coups de... Quoi, ce combat, là? Et moi, mais le combat de l'enfer. Oh non! C'est qui s'est pris le coup? Mais pourquoi on se prend des trucs comme ça, là? Pourquoi on se prend des coups de... On a fait quoi? On est pas suffisamment chaotique bon? En plus, on sait même pas ce qui s'est passé. Razad, s'il te plaît, respecte un peu l'effet de potentiellement. Des chouris, j'en ai plein chez moi. Non, je n'ai toujours pas appris à faire de la magie. Nous sommes bien sûr dans le moment où la pauvreté de la magie existe dans notre équipe. Oui, monsieur. Voilà. Je rappelle que Roland de la Tour Brosson a vécu devant sa tour. Hein. Il connaît pas trop les mages. Hein. Pas sauvegarder, s'il vous plaît, faites un truc. C'est fait. Allez, faut les boycotter là. Allez, direct, s'il vous plaît. Non, ça se passe pas comme ça, s'il te plaît. Allez. On va avoir des flèches. Oui, j'ai sauvegardé, t'inquiète pas, mais je crois que là j'ai oublié. Mais regardez-moi ça, tous ces j'ai raté, j'en peux plus. Faites des choses. J'en ai assez. En plus là, voilà. Ah mais il est décédé tout seul. Ah mais on est retombé sur les scalps. Oh non. Soldats des griffes noires. Ah bah oui, bah ça fait longtemps qu'on les avait pas vus. C'est fait. Ok, mais on récupère tout. Imoen, tu vas récupérer les normales.
Ah mais ton arc aussi il s'est cassé. Mais qu'est-ce qui se passe? Plus on approche de cette... plus c'est l'enfer. Attendez. Moine, tu es une voleuse, tu vas porter tout ce qui est volé. Nous on va porter des scalps pour des gens. Et on va dormir hein, parce que là c'est... Tu veux pas récupérer tous les trucs que j'aime pas là? Genre... Tiens, prends les parchemins que je sais pas pourquoi je garde. Mais t'as l'air d'être la plus réfléchie de nous. Mais regardez-moi ça! Quel enfer. Il avait une épée longue. Les épées longues d'ici, là, elles sont en train de décéder direct. Compliqué. Hein. Alors, on a toujours notre fer contaminé, mais je pense qu'on va le garder parce que ça va nous servir un moment. Et maintenant, on récupère le scalp et les spé. Voilà, 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 voilà. Et là, je pense qu'on va être bien. Parce que depuis tout à l'heure, on galère parce qu'on n'a pas de flèches. Mais maintenant, ça va bien se passer. Et les flèches ne se cassent pas. Sauvegardons. Il y a encore des gens. Et on fait dodo. Oh. J'aurais dû m'en douter. Ah bah pour l'instant, il n'y a personne qui est suffisamment intelligent pour. J'ai l'impression que la stratégie que nous avons n'est pas suffisante. Partons. Ah mais Razad, il est déjà décédé, mais comment ça? Que tu survives. On va s'écarter du camp, peut-être que c'est ça. Hein. Une tâche facile. Il s'est réveillé, il est mort. Je pense qu'on l'a tué dans son sommeil même. Ok, c'est bon. On peut officiellement sauvegarder. Donc faut absolument qu'on traverse un endroit. C'est faisable. J'ai l'impression qu'ici on peut. On peut là. Ah, c'est là. Ok. Du coup, faut... Ah oui, non, c'est... Ah oui, d'accord. Il y a une entrée avec masse de gens, j'imagine, à tuer. Et l'autre entrée où il y a moins de gens, mais c'est le boss. Mais on peut pas passer à l'envers. Dans le sens où t'es obligé de passer par ce... Mais... Ils sont là. Mais regardez. Pourquoi ils visent que Imoen? J'en peux plus. Imoen, enfuis-toi. On va les attendre là-bas. Hein. Une tâche facile. Vas-y. Qui a le meilleur arc? Voilà, avec des flèches naturelles, hein, j'ai envie de dire. Pas magique. Et maintenant, donc pas naturel, du coup. Ouais, vous avez compris, je me suis mal exprimé. Bon, alors on a encore récupéré des flèches, ça c'est très très bien. Hop. Non, les scalps, j'espère que ça va nous permettre d'avoir de la tonasse. Parce que sinon, on s'en fiche un peu, en fait. Ah, c'est pas la même chose, excusez-moi.
On est reparti pour dormir. Sauvegardons. Dodo. Ouais, c'est ça. C'est viser vraiment le voleur qui n'arrive pas à se cacher dans les bois. Hein. Voilà. Là, ça a l'air plus sympa. Facile. Maintenant, on va rentrer, on va dire bonjour. Nous sommes ici pour pouvoir dire bonjour. Apparemment, ça se passe pas comme ça. J'avais décidé de vous la jouer de cette manière-là. Razad, c'est quand tu veux, tu survis. Hein. Je comprends pas comment il vit sa vie, Razad. Surtout qu'en plus il fait des coups, hein. Bon, là c'est Dorn, mais... Le serviteur de Dame Nature a perdu trop de vie, gars. Je me sens beaucoup plus à l'aise dans la forêt. Et maintenant, où? Oui, bien sûr. On va charmer le cheval pour voir ce que ça donne. Tu veux attaquer avec nous, le cheval, hein. Allez, hop, t'es avec nous. Les chevaux, avec nous. Ça, c'est quand même le sort tâche facile. Le plus intéressant, quoi. Ah bah, on n'a pas réussi à avoir le deuxième. Ah non, mais t'inquiète, vas-y, va à ta réunion, tranquille. Oui. Je disais juste que normalement, tout le monde s'était mis d'accord pour que MK, ce soit pas Mario Kart, mais Mortal Kombat. Mais c'est peut-être à l'ancienne, je ne sais pas. Et maintenant? Oui, bien sûr. Bon, le cheval ne veut pas bouger, il a décidé de faire la grève. Bonjour. Ah, donc c'est eux qui ont lancé les chasseurs de primes. Faut d'abord tuer le plus bavard. Alors, moi, ce que je dis toujours. Pas besoin de verser du sang. Mais si, il y en a grand besoin. Nous nous sommes réjouis toute la journée de cette idée. Vous vous battez bien. Alors, nous sommes ici pour vous arrêter. Eh bien, d'accord. Bah, nous, on va se mettre du côté de là. Pour pouvoir vous prendre en tenaille. Et voilà. On vous attend. Ah, mais il trace, lui! Pour le groupe. Et maintenant, où? En fait, on va tuer lui, là. Si c'est possible. Oui, aux figures autoritaires. Ah, d'accord, ok. Je pense qu'on peut aller... sur le coup, on peut aller avec les trucs qui font mal, hein. J'ai save juste avant de rentrer dans cet endroit là. Razad. T'avais déjà pas beaucoup de vie. Mais vu que tu es indétectable, on va te faire y aller. On va laisser nos bourrinos devant. S'il n'y a pas le choix. Loin derrière. Voilà. Et comme d'habitude, tu vas nous attirer tout le monde. Voilà. Voilà. Bon, du coup, le cheval nous a pas aidé, donc on va abandonner. Ah non, mais il y avait un mage. Ah. 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 Non, mais je suis un détecteur. Il y a deux mages. J'ai encore. Il y a deux mages. J'ai pas envie. Avez-vous besoin de mes services? Voilà, bloque la route à l'arrière, Jaira, c'est très bien. Ah, premier réveil. Peut-être pas trop tarder non plus. Je pense que c'est, pour l'instant l'embuscade est pas mal. C'est quand tu veux. Ah. On est cool.
Oui. On prend des coups. Aux figures autoritaires omniprésentes. Regardez-moi comment il perd pas de vie lui là. Allez hop, il y a quelqu'un qui vient d'arriver, on change de côté. Dorn, t'es en train de décéder. Ok. Pour redonner de la vie à Dorn. Oh, il y a tout le monde. Tout le monde est en train de décéder. Moi, bon, elle est par Razal. Bah oui, d'accord, mais bon, vous avez remarqué que, mon cher, vous êtes en train de survivre. Raza, tu fais quoi? Passe quoi, là? Quoi? Oui? Mais tuez-le, en fait! C'est bon, allez, tout le monde dessus, s'il vous plaît. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Oh, mais... Quel est cet enfer? Ah, tout ça parce qu'ils ont des bottes. Je suis choqué, il se passe des trucs, là, je comprends pas. Bon, regardez-moi tous ces ratés, là. Pique-lui sa vie, s'il te plaît. C'est bon? Ok, merci. À vos ordres. Alors, s'il y a des gens encore là, c'est les mages. Ok, les mages ne nous ont pas vus. Donc maintenant, on n'a que les mages à faire. Ok. Ah mais non! Tout a disparu! Attendez, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on... Genre, il y a des voleurs qui se baladent ici? Peut-être juste avant, voilà. Qu'est-ce que c'est que ça? Mais... Je comprends pas, tout le monde est blindé là? Non, toi, si tu peux garder ça. Non, on n'a pas identifié, je comprends. Et c'est des dagues de jet, mais c'est nul. Ah, mais c'est ton bouclier qui a disparu! Ah oui, mais toi t'as rien. Pourquoi tu veux pas prendre? Ça c'est l'antidote, on sait jamais. Potion de liberté, qu'est-ce que ça fait? Ah d'accord, ça c'est pas mal. Du coup peut-être que Jaira, ça peut être pas mal pour s'enfuir. Ouais, c'est elle qui est blindée. Potion de force du géant de froid. Fléchette, deck de jet. Bon, ouais, fléchette, tu peux... Ouais, mais c'est pareil. C'est nul. C'était quoi que je devais lui donner? C'était ça. De toute façon, il y a la plupart des trucs qui vont se casser, on est d'accord.
qu'on est au mauvais endroit au mauvais moment. Bon. Non, on n'a pas encore dormi. Mais je pense que là c'est bon, on peut dormir. Oui, l'inventaire est à l'ancienne, clairement. Mais après, c'est pas grave, ça. Moi, ça me dérange pas. Mais oui, par contre, clairement, il y a un problème. Il y a des voleurs dans votre forêt, les gens. Parce que là, on dort, on se fait embarquer tous nos trucs. Qui pourquoi tu es ralenti? Là, c'est bon? Non? Toujours pas? C'est pas possible, ça. Donc là, il y a des... Normalement, il y a des gens qui s'appellent des... mages. Donc, faut foncer. S'il n'y a pas le choix. Ensuite, j'ai vu que tu allais passer un niveau. Passe un niveau. Jet de sauvegarde contre la paralysie. Tu gagnes que des jets de sauvegarde, d'accord. Sort divin supplémentaire. Très intéressant. Bah voilà. Eh bien, on va voir ce que tu as gagné en sort divin supplémentaire. Rien. Voilà, je suis content. Vous êtes une bien étrange personne. Une tâche facile. Voilà, hop, hop, hop. Maintenant, foncez sur le premier qui a décidé de faire quelque chose. Et nous, on va s'occuper de tout le monde de loin. Bien sûr, nous allons utiliser toutes les grosses armes que nous avons, alias des flèches. Et des flèches. Voilà. Je pense qu'on est bon. Mon cœur n'y est pas vraiment. Voilà, il est décédé. Les mages, c'est bien, c'est ça qui est bien chez les mages, c'est que ça meurt. Et voilà, je crois que c'est bon. Il est mort en 2 temps 3 mouvements. Ah non, il s'est peut-être télétransporté l'autre, non? Bon, du coup, de toute façon, on a des trucs à porter, donc ça va être vous qui allez porter, monsieur. Voilà, sauvegardons maintenant. Une tâche facile. T'en vérifions qu'on a bien tout piqué. C'est bon là? Il y a un bâton, mais le bâton il fait quoi? Rien. Tous en même temps, bien sûr, on rapporte. Bonjour! Oui, le combat en milieu serré. Toujours à notre avantage, ça. Pour ceux qui ont perdu. F5 pour ouvrir, j'en j'imagine. J'en ai assez. Crochetage raté. Pas comme si on lui avait maxé son crochetage, hein. Pas possible. Ah ah! Base d'armes. Bon, s'en fiche. Ça doit coûter 2€. Oui, bien sûr. C'est pas... À la revente, c'est pas ouf. Ah, bonjour! Une tâche facile. Enfin, quelqu'un qui veut parler. Et alors, je lui ai frappé la tête jusqu'à ce qu'il crève. Sur les murs est de l'enceinte, ok. Bon bah on a trouvé j'en la mine. Ai assez. Déjà pas mal. Parce qu'on on l'a cherché hein. Ah ah, une arbalète lourde. Je prends. Pourquoi? T'es ralenti.
Après, je sais pas qui on aura besoin, mais bon, c'est pas grave. On reviendra au pire. Une tâche facile. C'est l'arbalète. Est-ce qu'on peut dormir ici? Oui, bien sûr. Oui, bien sûr. Y a pas une autre entrée? Non. Paire de dos ici. Après ici c'est bien en vrai. Moi c'est pour ça que j'aime bien ce genre de truc, c'est que là en fait on va se faire embuscader de la sortie. On voit rien en plus. Regardez-moi ça. Je sais même plus où cliquer tellement on comprend rien à cette map. Attendez, on va le taper là. Apparemment si. Mur est, hein. Je me rappelle plus où est l'est, mais j'imagine que c'est à gauche. Ma lame vous coupera un morceau. Donnez-moi ça! C'est quoi ce combat là? J'ai pris 15 ans pour pouvoir tuer le gars, il avait 2 PV. Comprendre que tu n'avais plus de... Non, c'est bon. Imoen... Qu'est-ce que vous voulez, Caïd, mon chéri? Le jour où vous déciderez à parler, les poules auront des dents. Mais qu'est-ce qui se passe? S'il vous plaît, Jaera, inutile de vous montrer aussi... Intolérable? Oui, c'est tout à fait ça. Il s'est passé quoi dans ce combat là? Parce qu'elle a fait un coup critique? Jaera a fait un coup critique et du coup t'es pas sympa avec Je comprends pas. Moi, je m'en vais. Allez, un petit peu quand même, non? Même pas. Il n'y arrivera jamais. Oui, bien sûr. Et ok. J'en ai assez. Ah, mais c'est un ascenseur. On va décider, hein. C'est fait. Mais ça y est, on est déjà en bas. Ça allait vite. Incroyable. Je les déteste, ces femmelettes du poing enflammé. Et c'est... Alors attends, parce que tu parles de Razad, j'imagine que c'est Razad qui est du poing enflammé, attendez. Du coup... Tiens, prends le plexus solaire. Voilà, boum, voilà, hop. T'as essayé, hein? Et tu as foiré. Et nous revoilà dans une grotte. Tout ce qu'on préfère, bien sûr. Attends, il va chercher les gardes. C'est par là? Je lui ai frappé la tête jusqu'à ce qu'il crève. Ah, donc du coup, on lui a conseillé d'aller prendre l'air, mais il veut pas. Bon, allez, salut. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment.
Ah mais si, attends, si on a des niveaux 90 à l'extérieur et à l'intérieur ils sont tous niveau 2, je suis pas trop d'accord. Ceci est une porte. Bonjour. Cher monsieur, s'il vous plaît, sauvez-moi. Je vous dirai comment... Bah mais nous vous libérons bien sûr si tu veux faire exploser la mine. Et à côté de moi il y a un bouchon en acier qui retient la rivière à la surface. Il suffirait de l'ouvrir et toute la mine serait noyée. Et voilà. On va inonder Bois Manteau. Pour aider cette révolte sociale. Je pense que ça doit être de l'autre côté du coup. Je sais plus où aller. La dernière fois, on avait réussi à faire le tour de l'intelligence de Drizzt avec les deux bras attachés derrière le dos. Passons aux choses sérieuses maintenant. Pauvre de toi. Et regardez, ils ont pas de niveau en fait. C'est triste. Il est un peu plus fort que les autres, lui. Posé de façon. Bon, voilà, c'est cool. On se balade, hein. Ah, mais ça devait être par là, bien sûr, forcément. Ça doit être celle-ci, là. Oui, bien sûr. Il y avait du people. Voilà. Ouais, franchement, on a pris du temps à juste arriver ici avec des wyverns et tout pour pouvoir se taper des gens qui meurent en 2-3 mouvements. Je suis choqué. Je suis choqué. J'en ai assez. Si la porte elle s'ouvre d'un coup, ouais, elle s'est ouverte d'un coup, elle vaut 10. C'est nul. Ah oui, mais ça va être un mage. Oh, je le sens. S'il vous plaît. Forcément, le boss ça va être un mage. C'est pas du tout. C'est ça vos les endroits où vous dormez, hein. Aidez-nous, s'il vous plaît. Ah bah ouais. Oh, je m'en rappelle du combat, je l'ai déjà fait ce truc là, c'est chiant. Je m'en rappelle du combat. On va être enfermé dans un truc tout petit comme ça. Oh, passons aux choses sérieuses maintenant. Bidrick. Mais t'es archi loin, Imoen, je sais pas pourquoi. Tâche facile. Exactement, je suis dans la mine. Moi, je m'en vais. Et je me rappelle de ce qui va se passer. Et ça, ça m'enchante pas beaucoup parce que je crois qu'il y a un mage dans un couloir, quelque part. Vers la fin. Ah, mais il y avait un piège. Ah, c'est là. C'est là. On y arrive. Et voilà, on y est. Regardez-moi ce mage là. Allez, tuez-le. Ils ont des vies en main. Ah, c'est parce qu'ils tomber dans des batailles justes.
Ah, il a fait une attaque nulle et ils sont tous morts. Oh, la chance que j'ai eue. Bon, alors du coup, maintenant qu'on sait où il est, on va essayer de détecter les pièges. Voilà, merci. Là, il y en a un autre. C'est fait. Une plaie béante sur Mère Terre. Je la refermerai bien si j'en avais les moyens. J'en ai assez. On va avoir besoin de dormir déjà. On va dormir ici. Et c'est surtout que là, en fait, on va avoir besoin de Razad pour pouvoir faire un petit passage indétectable pour pouvoir qu'il nous les sorte de la caverne. Ah. Oh, ils sont énormément. Attendez. Je n'accepte pas ça. Ils sont trop. Du coup, bah, on va le faire maintenant. Mais c'est vraiment, faut pas le regarder hein, pour pouvoir qu'il soit invisible ce mec là. Donc l'attaque arrive par derrière, c'est un piège qu'il a déclenché, donc ça veut dire qu'il faut que le piège il est juste après. En fait, c'est ça qu'il faudrait faire. C'est... Ah oui, c'est ça. Il n'y a pas un truc où on a une potion pour avoir le pied léger, là? On n'a pas une potion pour le pied léger, quelque part. Potion de force morale. Cet accroissement octroie tous les bonus afférents à la caractéristique, notamment en point de vie. C'est intéressant. Invisibilité, huile de rapidité, antidote... Invulnérabilité... Défense. Liberté. Liquide mystérieux. Ah oui, mais ça, je sais plus ce que c'est. Rapidité. Toujours intéressant, rapidité, je pense. Force de géant du froid. Donc ça, ça peut être intéressant malgré tout. Force morale. Haleine ardente. Ah oui, c'est qu'on peut lui cracher du feu dans la tête. Ça c'est vraiment un truc de cac hein. Alors du coup je sais pas comment il se déclenche le piège. Donc ça c'était bon. On re-sauvegarde. Le deuxième par contre. Il y en a un qui est là juste là. On va faire comme ça. Hein. J'en ai assez. Oui, bien sûr. Faisons-le sortir. Qui est resté? Razad, s'il te plaît, respecte-nous un peu quand même de temps en temps. Oh non. Oh, ils ont tué tout le monde. Mais j'avais oublié qu'il avait ce sort. Clem le lu. On l'a fait ou pas? En fait, le truc, c'est que je me rappelle plus comment j'avais fait. Parce que j'avais réussi à le faire sortir. Un par un. Et en fait, le truc, c'est que je pense qu'on va aller utiliser Razad pour pouvoir qu'il tape une pointe. Et en fait, qu'il utilise son sort contre eux. Parce qu'en fait, le truc, c'est ça qu'il faut faire. Donc, on va s'enfuir. Moi, je veux absolument qu'il utilise son sort contre eux. Donc, on va se cacher quelque part.
un endroit où en fait les rebondissements c'est compliqué quoi. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Allez, mais faites quelque chose. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Et je crois que non, j'avais fait une équipe de... une équipe de fléchés aussi, d'archers. Il y avait un truc comme ça aussi. Bon. C'est on fait. En a eu 3, je crois, ou 2. Il en reste quelques-uns. Et si on... bon, on essaie de continuer, hein, mais... ça va être complexe. Allez, faut qu'on fonce, là, par contre. Allez! Beaucoup, 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 quand même. Et Imoen est déjà mort. Ok. Faut vraiment qu'il utilise son sort avant. Je ne sais pas comment je vais faire le déclencher. Hein. I shall commit to the task. On va aller les chercher. Un par un pour voir. Oui, bien sûr. Passons aux choses sérieuses maintenant. Your wish? Je pense que Razad, il va faire le taf. Hein. Là, pour l'instant, il est bien parti. Il a quand même de la grosse visibilité, donc du coup, c'est un bon éclaireur. Voilà, viens. Et là, je pense qu'il a lancé invisibilité majeure. Bah vas-y, hein, si tu veux être invisible, fais. I am prepared. Selune guides my hand. Oh non. Aïe 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 aïe. Je sais même pas où il a lancé cet enfer. C'était bien parti. Your wish, I understand. Donc ok, invisible. Oui, bien sûr. Pour ceux qui ont péri. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Ma lame vous coupera un morceau. Oui, bien sûr. Selune guides my hand. Oh là 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 là, mais qu'est-ce qu'elle enfer ce coup. Ah non. Non, j'ai sauvegardé. Écoutez, on va prendre une potion d'invulnérabilité, hein, parce que il faut faire ça. Pour Azad. Dès qu'on l'entend, il faut qu'on puisse au moins l'utiliser. C'est bon. On est bourrin. Hein. Voilà, on va les attirer. On est bourrin. Passons aux choses sérieuses maintenant. Ah, faut que j'arrête. Ah là là. Vite, tuez-lui là.
Lui là. Vite. Vite. Allez, c'est bon, c'est bon, c'est bon. On y est. On y est. Y'a personne qui est décédé. Ok. Faut les finir maintenant. Allez, allez, allez. Tu fais ce que tu veux, Roland de la Tour Brosson, mais là tu les regardes mourir. C'est pas très sympa, je trouve. Là, elle a monté de niveau. Voilà. Tape plus fort, je suis pour. Quoi, tu t'es trompé entre CV chat et oui, exactement. Voilà. Donc du coup, on s'est débarrassé du mage. Ce qui était le pire ennemi de tous les temps. Et on s'est débarrassé de pas mal de gens. Alors attendez, parce que je récupère tout. Parce qu'après, apparemment, on perd beaucoup. Hop. Qu'est-ce que vous voulez ? Que tu prennes des flèches. Ensuite. Là. Et je pense qu'on est pas mal. Maintenant. Je sauvegarde. Et on va voir qui y reste. Sachant qu'il doit rester quand même quelques-uns parce que j'ai l'impression que c'est ça. Si on a fini, on s'arrête là et on avancera plus tard. C'est-à-dire jeudi. Une tâche voilà. Facile. Non, peut-être pas avec Roland de la Tour Brosson, avec Razad, s'il vous plaît. Oh, il en reste deux. Non, ça va. Ça devrait aller. Par contre, Roland de la Tour Brosson, tu peux. C'est fait. Il y a tellement d'endroits. Oui, bien sûr. Oh, mon cœur n'y est pas vraiment. Passons aux choses sérieuses maintenant. C'est bon? Quoi? Ok. Oui, une tâche facile. On va sauvegarder ici. Sauvegarder la partie. Enfin la mine. Et on va s'amuser à supprimer le reste. Là, j'ai écrit mal. Je vais rapidement. C'est pas grave. Voilà. Oh ! Continuez, on était là. Je voulais juste qu'on check vite fait les alentours. Normalement, on est censé trouver la clé, on l'a pas trouvée pour l'instant. Ah ! J'ai bien fait d'augmenter ces illusions. Parce que c'est vrai que... J'en ai assez. Bonjour. Oh, que des ennuis. Jamais un endroit tranquille. Jamais de répit. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Un blême? Ah. Dommage. T'as un peu écrit enfin la mine, en tout cas GG. Oui, oui, c'est ça. Bon, on saura. Je vais juste ouvrir le truc pour histoire qu'on se rappelle qu'on peut passer par là, parce que sinon j'en je vais jamais me rappeler. J'ai bien fait d'augmenter ces munitions quand même. Hein. Toujours pas. D'autres trucs à prendre ici. Peut-être là. Est-ce que c'est la fin de la map? Oui. Ah, bonjour. Indemne. Oui. Vous êtes indemne. Ma lame vous coupera en morceaux. Vous avez du monde en fait. Passons aux choses sérieuses maintenant. On va nettoyer le coin, je pense, ça va être ça, l'histoire.
Et après dormir. Re-sauvegarder. Ah mais on faut descendre en plus. Oui bien sûr. On va dormir ici. On va dormir là. Au moins on est un peu... un peu quelque part. Bon attendez. On va essayer... Est-ce qu'on dort? Non. On va sauvegarder et après on dort. Et on va voir ce que ça donne. Ce qui se passe ici okay, est tout à fait inhabituel. D'accord, et je avec ne veux toi. Pas y prendre part. Je comprends. Apparemment, on est en train d'y prendre part. Enfin. Remplacé. Ok. Bon, bah du coup, on va s'arrêter là. Faut que je me fasse un petit peu à manger, quand même. Je vais vous envoyer... Je suis désolé, la dernière fois, on est parti vite, mais... Où c'est qu'on va? Ah oui, il y avait David Dufresne. Bon, on va aller voir David Dufresne. C'est sur le livre mai 67 de sur les révoltes en Guadeloupe. Donc voilà. Je vous envoie là-bas. Je pense que c'est la fin. Ça fait un moment quand même qu'ils sont en stream, mais bon. Voilà. Au poste, c'est déjà ça. Je vous laisse là. Merci Clem Lulu d'avoir été dans le coin. J'espère que vous allez apprécier la suite de... chez David Dufresne. Le livre a l'air intéressant. Il y aura Mathieu Ricoust, il me semble. Et la deuxième... le deuxième auteur, autrice, d'ailleurs. Je me rappelle plus de son nom. Je vais checker vite fait. Mais il n'y a pas écrit. C'est où qu'ils font tourner? C'est où qu'ils font tourner? Elsa Dorlin, voilà. Voilà, voilà. Donc voilà, profitez bien. Je pense que ça va être intéressant. J'ai pas vu combien de temps ça fait avec le live. Je crois que c'est depuis qu'on a commencé, donc oui, 2 heures. Voilà, voilà. Bon, merci d'avoir été dans le coin. Je vous mets dans la, en fin de partie. Ce qu'on met en général, c'est off. Et bah à la prochaine fois.